court-métrage est décerné à Élodie Lélu pour Colloque de choc. Ouais. Un grand, grand merci au public. Je suis vraiment hyper touchée. Merci à Isabelle Masson et à toute l'équipe du festival pour cet accueil incroyable. Alors moi, je suis d'autant touchée que dans ma démarche, je mets toujours le spectateur au centre, que ce soit à l'écriture, au tournage, au montage. Donc avoir ce prix, pour moi, ça prend tout son sens. Je fais partie, je pense, des cinéastes peut-être un peu naïfs qui pensent qu'un cinéma peut permettre aux personnes de mieux dialoguer ensemble, de mieux vivre ensemble. C'est pour ça qu'en tout cas, je fais ce métier. Et donc, j'espère que le public a bien fusionné autour de ce film et que ça va permettre de délier les langues sur des sujets parfois un peu tabous. Voilà, encore merci à vous. Le prix du public pour le court-métrage et le film 4801 nuits de Laurence Michel. Merci beaucoup. Merci au festival, merci au public. C'est pas la première fois que j'accompagne mon film en festival, mais j'ai ressenti vraiment j'ai eu une très belle séance vendredi matin. Des applaudissements nourris, j'ai vraiment senti que le film avait communiqué avec le public et j'en suis vraiment ravie. Deux petits mots, c'est un film d'équipe aussi. Alors moi je suis seule pour l'accompagner à chaque fois, mais je pense vraiment à mon équipe qui m'a aidée. Et puis merci beaucoup au festival, aux bénévoles, à l'accueil qui a été vraiment exceptionnel et je suis très très heureuse. Alors juste avant de remettre les prix jeunes du meilleur court et du meilleur long métrage, on voulait chaleureusement remercier l'équipe du festival et notamment Isabelle qui nous a permis de vivre cette expérience assez folle et aussi tous les bénévoles pour leur gentillesse et leur sourire. Alors on est très fiers et reconnaissants d'avoir fait partie du premier jury jeune de l'histoire du festival, un jury de choc. Alors on aurait aimé rester 4801 nuits, mais le festival ne dure que quelques jours, pas plus. Et pendant 5 jours, on a gardé les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, pas loin de la Grande Ourse. L'Éden est un peu devenu notre nouveau monde, notre double foyer. Alors, merci pour tout. Pour le prix du court-métrage, chers réalisateurs et chères réalisatrices, la diversité et la qualité des courts-métrages présentés ont montré une richesse de vos talents, vos créations exceptionnelles ont rendu nos délibérations laborieuses, vraiment très laborieuses. Choisir un gagnant parmi tant d'œuvres uniques a été un véritable défi. Notre choix s'est alors établi autour de la richesse de l'histoire et son inspiration pour les générations futures. Nous sommes heureux d'attribuer le prix du jury jeune du meilleur court-métrage à 4801 nuits de Laurence Michel. Merci à vous quatre. Cinq. Je suis très touchée. Que dire, on a discuté après, le court-métrage était très touché des dialogues qu'on a eus ensemble. Vous n'avez peut-être pas vu le film, donc je vais juste préciser, c'est un film qui parle de l'addiction, de mon addiction alcoolique, de mon abstinence, et d'avoir fait ce film, d'avoir fait du cinéma, ça m'a permis à surmonter aussi l'effort. Nous sommes heureux d'attribuer à l'unanimité le prix jury jeune du meilleur long métrage à 6 pieds sur terre de Karine Bensalah. Bon, j'ai absolument rien préparé. Merci à vous. Merci. En fait, ça me donne beaucoup d'espoir de recevoir un prix jeune, jury jeune. J'ai l'impression que. En fait, je suis de plus en plus angoissé avec l'état du monde. Et de voir que des jeunes portent ce regard-là sur mon film, sur un film, je ne crois pas au choc des civilisations, ça c'est sûr. Et je pense que le futur est entre vos mains. Et vous m'en donnez la preuve. Donc merci énormément. Merci au festival, à l'équipe et à cet accueil merveilleux. On va décerner le prix du jury à Victoire Godard pour Un bain en hiver. Si vous avez un jour la chance de voir ce film,
Je peux croire que c'est un cadeau, ce film. Ouais. C'est un film sublime. Il y a quelqu'un du jury qui a dit hier, pendant les délibérations, c'est rare, c'est un film, quand on le voit, on respire les odeurs des personnages. C'est une vraie réussite, un film sensuel, c'est sublime. Voilà. Bravo. C'était déjà un honneur d'être projeté dans cette salle et je suis hyper contente de ce prix. Effectivement, c'était le pari du film, c'était d'essayer de faire sentir les odeurs grâce au cinéma. Et donc voilà, je suis très très contente. Et il y a une partie de l'équipe qui est dans la salle aussi, notamment Sabine Godard qui a fait les images et Bernard Godard qui était le personnage principal. Le jury est absolument magnifique aussi, que j'admire énormément. Et vous, qui êtes là, qui êtes si fidèle et si ardent, c'est un cadeau. Moi, je n'aime pas du tout être juge. Je déteste ça. Il a fallu vraiment qu'on insiste beaucoup pour que je vienne. Et je suis très, très intimidée par vous. Merci en tout cas. Et juste pour dire qu'on est vraiment le jury vieux parce que nous avons des papiers et pas des iPhones. Ah, enfin. Donc, on va commencer à accorder les prix. On va commencer par le prix du jury pour le meilleur court-métrage et pour l'attribuer. Oui, merci Isabelle. Merci pour la sélection. Merci à tous ceux qui ont sélectionné. Vraiment, c'était très très agréable. On a recommencé un film fort, sensible, qui réussit la prouesse de nous émouvoir, de nous faire rire et en même temps de nous bouleverser. Voilà. Tout ça, c'est grâce à son auteur, évidemment. Grâce à sa direction d'acteur, extrêmement fine. Et donc, le prix. Le prix du jury pour le meilleur court-métrage est attribué à Anthony Bajon pour La Grande Ourse. Je suis vraiment ravi. C'est vraiment un grand honneur pour moi. C'est mon premier prix en tant que réalisateur. Voilà, la SWOTA, c'est définitivement le festival où j'ai reçu le plus de prix. Parce que j'ai eu la chance d'en recevoir deux en tant qu'acteur. Donc voilà, merci infiniment au jury, merci aux festivaliers de s'être déplacés, c'est important de venir voir des films toujours. Voilà, c'était un immense honneur pour moi de projeter mon premier film ici à La Ciotat. Et comme je disais quand je l'ai présenté, je rêvais vraiment de faire de la réalisation, j'en rêve toujours. Mais si on m'avait dit que ce premier film ne pourra pas être mon premier film, alors j'aurais jamais fait de film parce que j'aurais jamais voulu qu'aucun autre film soit mon premier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et on a une mention, il paraît. Oui, j'ai l'impression, oui. Pourquoi on a donné une mention en plus de tous les prix? Mais parce qu'il méritait. Ouais. Et puis parce qu'il est très beau et que nous sommes tombés amoureux. Et il fallait absolument qu'il y ait un prix. Oui, parce qu'on était peinés qu'il y ait moins de prix que de films. On aurait aimé qu'il y ait plus de prix. Ça aurait été pas mal. Donc, pour décerner la mention spéciale du long métrage, j'appelle Camille Japy et Marilyn Lumière-Candeau. Donc d'abord, vous vous souvenez, il faut dire Radou, en norvégien. Alors, c'est vrai, ça a été difficile parce qu'il y avait de très bons films, de très bons courts-métrages. C'était bien de voir des courts-métrages avant des longs-métrages à chaque fois. Ça, c'était formidable. C'était bien de parler avec ce jury. Parce que vraiment, on était tous passionnés, passionnants, et ça a toujours été assez joyeux. Donc ça, c'est agréable de parler sérieusement et joyeusement des films. Et voilà, je remercie donc la sélection qui était très belle. Et effectivement, il n'y a pas assez de prix. Alors on a décidé, parce que ça nous fendait le cœur, de donner une mention spéciale à un film qui nous a particulièrement touchés par son sujet, qui nous a touchés aussi par la démarche totalement indépendante et fervente du réalisateur, par la grâce incroyable des acteurs, de la vérité du film, et surtout, par-dessus tout, pour sa poésie. Voilà, donc le prix. Le prix revient à Vincent Capello pour son magnifique film « Nouveau monde ». Merci beaucoup. Merci au jury. Vous avez tous fait des choses dans mon parcours. Et je vais juste parler de la présidente. La bonne année, c'est un de mes films préférés. J'étais avec Claude Lelouch à Vierzon le week-end dernier et je me disais que c'est le plus punk d'entre nous et je veux faire Claude Lelouch quand je serai grand. Donc, je vous remercie parce que je vais d'abord remercier bien le jury parce que ça va me porter parce que voilà, j'ai fait ce pari que
la chose essentielle pour faire du cinéma, c'est la foi. Et donc j'ai décidé, dans cette démarche totalement indépendante, de produire le film et de le distribuer. Et il sort le 19 juin, dans 10 jours. Et je commence à travailler à 7h le matin, à 20h j'arrête de travailler et je pense que la montagne de travail n'a pas diminué. Et en vrai, c'est le prix à payer pour la liberté dans laquelle j'ai pu créer ce film qui m'était extrêmement nécessaire. Et ça va me porter en fait là, de me regarder comme vous me regardez aujourd'hui. Ça va me porter pendant 10 jours. Ne serait-ce que les salles qu'on m'a rappelé encore pendant 10 jours, là, bah, on peut leur dire que vous l'avez bien regardé ce film. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. Maintenant, on va passer donc au prix du jury pour la meilleure interprétation masculine. Et pour attribuer ce prix, nous appelons Marilyn Granto-Lumière avec son mari Stéphane Guérin-Lumière. Tout d'abord, avant de remettre ce prix, on voulait quand même noter que tous les films qu'on a vus, il y avait une qualité d'interprétation qui était incroyable, des castings incroyables et des acteurs vraiment formidables qui nous ont émus, qui nous ont fait rire. Voilà. Alors être acteur, c'est pas une compétition, c'est pas les Jeux Olympiques, il n'y a pas 10 acteurs avec 10 films qui partent sur la même ligne de départ et un qui serait meilleur que les autres. Cependant, nous, on avait envie d'adresser une déclaration d'amour à l'un d'entre eux. Voilà, de le mettre en lumière, et dans cette salle, ça a du sens. Alors, je suis très heureuse de faire cette déclaration d'amour à Hamza Meziani. Non, je suis très, très heureux, vraiment. Ça a énormément de signification, en tout cas pour moi, ce prix, parce que c'est le premier, ça fait 10 ans. Je viens de l'abîmer en plus. Allez, hop. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Merci. Ça fait 10-12 ans que je fais ce métier. Et je persévère toujours. C'est un métier qui est assez compliqué. Il y a des gens qui réussissent directement, qui peuvent voilà, faire enchaîner des films, des cours, des cours du théâtre. Je trouve que c'est un métier assez noble et très dur. Merci énormément. C'est un métier assez dur parce que, entre-temps, bah, il faudrait apprendre, continuer à se former, travailler aussi, parce qu'on ne travaille pas tout le temps. C'est avec un grand, grand merci que je vous remercie, j'allais dire. Merci au public, en tout cas, de vous être déplacé pour venir voir toute cette sélection. Comme disait Anthony, ça fait toujours plaisir, en tout cas, de voir les gens directement en face à face. Merci au festival, merci à toutes les personnes qui l'accompagnent, au chauffeur aussi, parce qu'on m'a mis un coup de pression tout à l'heure, on m'a dit « Tu remercies les chauffeurs ?» Je remercie. Ah, il est là. On va passer donc à la remise du prix du jury de la meilleure interprétation féminine, parce qu'on adore les actrices, parce que sinon, on se serait pas connus. J'ai de la chance, hein. Si tu n'étais pas actrice, on ne serait pas appelé à faire partie de ce jury. Donc j'appelle pour remettre ce prix Camille Japy et Stéphane Guérin-Lumière. Donc nous allons continuer la déclaration d'amour aux actrices et aux acteurs qui nous séduisent à chaque instant. Nous avons décidé de remettre ce prix à une actrice qui nous a à la fois charmée, surprise, bouleversée, la chair, rien que d'en parler, j'ai les poils qui se hérissent. On a été extrêmement touchés par sa capacité d'émotion, de nous faire passer des émotions intenses avec tant de simplicité, de naturel et de vérité. Le prix. Le prix du jury pour la meilleure interprétation féminine est donc décerné à Charlotte Lebon. Ouais. Charlotte, c'était donc Charlotte Journicky. On peut dire que Charlotte, c'est l'occasion du film. Moi, quand j'ai vu l'interview de Niki de Saint-Phal, Charlotte lui ressemblait tellement qu'il n'a jamais été question que quelqu'un d'autre puisse jouer le rôle. Elle m'a donné envie de faire le film. Et j'étais tellement émerveillée par elle chaque jour sur le plateau que, en vrai, elle pourra dire tout ce qu'elle voudra dans ce qui suit. Elle ne doit rien ni à moi, ni à quiconque. Elle est juste une actrice si brave, si courageuse, couillue, si extraordinaire, si audacieuse, si généreuse,
et une partenaire de travail si merveilleuse, parce qu'évidemment, elle est aussi une réalisatrice et qu'elle a donné son regard sur le scénario, elle a donné son regard sur le montage, elle a donné son regard parfois sur des idées de mise en scène. Je me rappelle un jour où je me dis, je pense qu'on va faire cette scène un peu comme ça, enfin, je pense qu'on va la faire comme ça. Elle me dit, ah bon, mais tu penses pas qu'on pourrait la faire comme ça? Et en fait, c'était une idée qui était tellement meilleure, j'ai dit, oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, parce qu'en fait, ben, c'est juste une femme géniale. Une femme géniale, une artiste géniale, une femme remplie de joie, de bonheur et de générosité. Donc merci au délicieux jury, j'aimerais bien le faire avec sa voix. Merci au délicieux, merci au délicieux jury et au festival pour cet honneur. Je suis loin, mais je suis émue. Il s'agit de mon premier prix d'interprétation. J'avais pourtant fait le deuil de ce type de reconnaissance il y a plusieurs années, mais la vie fait souvent plus d'imagination que nous. Après, elle s'adresse à moi, évidemment, c'est gênant. Mon Célino, c'est comme ça qu'on s'appelait. Je sais, c'est bizarre, puisque c'est toi qui lis ceci, mais tu m'as fait un cadeau immense, un rôle de guerrière magique qui affronte les dragons et qui en sort victorieuse. Quelle chance j'ai eue. C'est grâce à ton regard et à ton amour que j'ai pu déployer ce que tu souhaitais voir. C'est pas vrai, parce qu'elle a fait 1000 fois plus que ce que je souhaitais voir. C'était vraiment 1000 fois mieux. Ça paraît simple comme ça, mais il faut beaucoup de puissance pour être bienveillant. Donc merci à toi, tu es une grande et j'ai eu un plaisir inouï à te voir réaliser en te réalisant. Ça va être chelou pour toi de dire ce truc qui parle de toi, hein ? Oui, Charlotte. Bah, désolée, je suis loin, c'est comme ça. T'es top super, Nikki est top super. Vous étiez des muses grandes et belles comme le ciel. Merci encore et bonne soirée. Enfin, il reste deux prix très importants. Voilà. Le scénario. Tu en as lu beaucoup. Oui, beaucoup. Est-ce que tu as un souvenir du scénario qui t'a le plus marqué à la lecture? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, oui. D'accord. Mais c'était international quand même. Ah, bah, donc t'as fait quelques films. Oui. Le prix du jury du meilleur scénario est attribué à un film qui dépeint avec beaucoup de maestria une histoire sombre tout en utilisant une gamme infinie de couleurs vives, en faisant ainsi jaillir la lumière. Le prix du jury pour le meilleur scénario est décerné à Céline Salette et son acolyte Samuel Tou pour Nikki. Je vous remercie infiniment. Franchement, c'est un immense honneur. C'est le premier prix du film et honnêtement, c'est hyper bouleversant de recevoir ce cadeau. Vraiment, merci infiniment, merci beaucoup. Nikki, c'est un film sur Nikki de Saint-Phalle, qui est une artiste que peut-être vous connaissez. Le prix du scénario, bah, d'abord, le scénario, c'est elle, parce que c'est 10 ans de sa vie et qu'elle a écrit 3 autobiographies, une qui parle de ses années de famille, dont vraiment c'est beaucoup inspiré le film, de ses 10 ans où elle est avec sa famille, avec son mari, ses enfants, et où elle fait le trajet depuis le recouvrement de sa mémoire, puisque Nikki, elle a donc été incestée par son père, et elle s'en rappelle pas. Et donc elle est assaillie par et puis elle va à l'hôpital psychiatrique parce que son corps dit des choses malgré elle. Et puis ensuite son père lui écrit une lettre d'aveu que son psychiatre brûle. Et ensuite elle trouve l'art à l'hôpital psychiatrique et avec l'art, elle a une arme pour essayer de devenir elle. Et en fait le film c'est ça, c'est comment on devient soi, comment on accède à sa puissance malgré tous les dragons de nos vies. Et on a tous des dragons, plus ou moins gros évidemment. Et le sien est vraiment très gros. Et pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, c'est elle, le scénario. Elle qui nous donne sa puissance, parce qu'elle nous la raconte, quoi, elle nous la transmet. Ensuite, le scénario, c'est évidemment mon partenaire de crime, Samuel Tou, qui était un peu mon maître, hein, qui avec lui, il m'a vraiment guidée dans la possibilité d'écrire cette histoire. Je le remercie 1000 fois. Je crois que sans lui, le film serait pas. Et aussi, le chemin que moi j'ai fait dans le film pour aller visiter cette réalité qu'est l'inceste, c'est rien, mais 2 secondes, je voudrais partager ça avec vous. C'est une vague qui se lève maintenant. Toutes ces voix dont fait partie Nikki pour dire que ça existe, impossible,
à entendre et à voir. Par ailleurs, moi, j'ai décidé d'engager une lutte pour que, évidemment, ça cesse. Parce qu'il y a des injustices criantes, parce que le monde tourne pas rond avec ça, vraiment, aujourd'hui. Que les enfants sont pas crus, qu'à plein d'endroits, ils sont pas soutenus par nous, société, et que ça fait de nous des complices de ces crimes immenses. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est vraiment une très grosse parenthèse, après je vais vraiment laisser la parole à des gens. Tout ça pour dire que ben, j'espère que Nicky va aider, soutenir, parce que c'est un immense chevalier, et que moi dans sa roue, j'ai vraiment tellement grandi, et j'espère que plein de gens seront dans sa roue et vont grandir avec elle. Merci. Il nous reste le Grand Prix. Mais avant, est-ce qu'on remercierait pas notre cher jury? Et je te laisse dire un mot à chacun. Écoutez, vous m'avez impressionné beaucoup parce que vous êtes tellement raffinés tous et vous connaissez tellement bien ce métier. Je suis très timide par rapport à vous. Donc j'ai beaucoup de maladresse à m'exprimer. Je m'exprime toujours à travers les autres. Je me sers des auteurs pour m'exprimer. Moi, je ne peux pas. En tout cas, merci pour vous tous. Pour nous, de votre accueil. Tu t'es beaucoup exprimé. Et de votre accueil. Tu t'es beaucoup adressé à nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste à décerner le prix Lumière d'Or, berceau du cinéma, du meilleur film. Donc avec Françoise, nous avons cogité un petit texte que je vais vous lire. Le grand prix Lumière d'Or du berceau du cinéma est attribué à un film qui nous compte d'une manière très intense et tendue, grâce à de formidables acteurs et à une magistrale mise en scène, la poursuite incessante d'un homme, de son tortionnaire et des démons du passé, se demandant s'il doit ou pas tuer l'un pour tuer les autres. Le Grand Prix va au film Les Fantômes de Jonathan. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions en ce dimanche. Je vous remercie parce que vous êtes tous très bons et que vous racontez quelque chose des films qui se sont faits et que ce prix qui attribue le film prend cette histoire du cinéma-là et que ça compte beaucoup pour moi. Je vous remercie aussi parce que c'est le tout premier festival du film. Je pique un peu le speech de Céline. C'est son tout premier prix aussi et que ça nous porte beaucoup. Moi, Pauline qui est la productrice du film, se cacher derrière un fauteuil, moi pas, et on partage ça ensemble. Et voilà aussi parce que pour fabriquer ce film, on a resté des mois enfermés dans une salle de montage à se dire, tiens, est-ce qu'il va être possible de faire vivre des émotions qu'on va pas montrer à l'écran? Est-ce qu'il y a moyen que le spectateur fasse un petit pas vers le film et plonge de manière aussi intense et forte que ce qu'on aimerait venir? Et en fait, ça a été un pari jusqu'au bout, et là j'ai l'impression que vous nous dites qu'on n'a pas complètement perdu notre pari. Alors qu'hier au casino, on a complètement perdu notre pari, c'était vraiment très sympa. À tout à l'heure. Merci pour rien. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup. Nous, ça nous porte. Comme tout le monde de l'INDA, je lui ai dit, le film sort dans un mois, il sort le 3 juillet, et ça nous donne beaucoup d'allant pour passer des jours et des nuits dans des trains à essayer d'avoir des débats aussi intenses que ce qu'on a eu ici. C'était un super moment avec vous, cher public. On nous a délogé manu militari parce que sinon on était prêts à discuter longuement et vraiment c'était super fort. Et donc j'en profite aussi pour remercier cet incroyable festival. On a passé des super moments. On s'est baigné, on a vu des super films, on a beaucoup parlé. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Mais vous savez, j'ai bu un Nicolas.
Merci.